Ma Mission TV, le miroir du monde. Et au FARDC et au gouverneur qui sont nommés, et nous pensons qu'ils vont réussir cette mission. Si j'échoue, retenez la date d'aujourd'hui, ça sera la fin de la République démocratique du Congo. Dans... Na Kabila Joseph azalaka soda batbaye bangote Kabila était militaire soda ça reste une formation militaire abuna bitumba FDL ti bena katena mbongo akoyi ko sisa bitumba te nous n'allons pas construire la République démocratique du Congo sur le plan des vagues. Ces gens-là m'ont foutu en prison. Les Oé, là, son grand frère, ils m'ont foutu dans des prisons, ils m'ont torturé. Mais le pays n'est pas totalement bon. Sinon, si le pays était bien géré, on n'allait pas quitter la Kabylie. La plupart de ceux qui ont fondé ensemble aujourd'hui sont des tranches-fils, c'est-à-dire des gens qui ont pu dire non pour que l'armée puisse descendre sur place, qu'on puisse travailler. On a souvent reproché au pouvoir de ne pas vouloir éradiquer ces groupes armés. J'ai vu dans la détermination du président de la République cette volonté de vouloir faire changer les choses. Botika osala Moïse. Hein? Botika otanga Moïse ba buzo ba pamba. Mais Moïse azana le kaniso azana na mutuna. Soki Moïse azana mutu ya ko bebi sa masolo. Tu après. Botolo ba a corrompre ba journaliste ba finga rafachi. Donc hier bon on est là corrompre ba tout. Boza série ko. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier notre collègue de Goma qui est venu spécialement pour assister à cet événement, puisque bientôt ça va être sur toute l'étendue de la République. Je crois que la pluie nous a bénis, c'est-à-dire Dieu nous a bénis depuis ce matin. Voyez-vous-même cet engouement. Nous disons merci à beaucoup de Quinoises et Quinois qui viennent pour adhérer à cet ensemble. Ce n'est que le premier jour, ce n'est qu'un début. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est l'avenir. C'est de travailler pour l'intérêt général, de travailler pour qu'il y ait un changement en République démocratique du Congo. À tout, vous savez que la situation du pays n'est pas totalement bonne. Sinon, si le pays était bien géré, on n'allait pas quitter la Kabylie. La plupart de ceux qui ont fondé ensemble aujourd'hui sont des tranches-fils, c'est-à-dire des gens qui ont pu dire non à la Kabylie pendant qu'ils étaient aux affaires. Ils avaient encore la signature. Donc ça témoigne déjà dans notre tête ce qu'on voulait, parce qu'on veut que le Congo puisse être géré autrement. Et voilà pourquoi nous avons créé, fondé ces partis politiques avec cette façon de voir les choses. Et Moïse incarne le changement, lui-même avait apporté le changement pendant qu'il a géré. Dans sa gestion, on a senti. Et aujourd'hui, nous voulons que les Congolaises et Congolaises, dans leur ensemble, puissent participer au changement de demain. Je pense que ce que j'ai constaté depuis cette annonce, on n'a plus vu les images des morts. Et fait seulement de cette annonce, on n'a plus vu des gens mourir. On n'a plus ces photos-là, on ne les a pas. Je pense qu'il faut que l'armée puisse descendre sur place, qu'on puisse travailler. On a souvent reproché au pouvoir de ne pas vouloir éradiquer ces groupes armés. J'ai vu dans la détermination du président de la République cette volonté de vouloir faire changer les choses, ramener la paix en République démocratique du Congo. On ne peut que l'accompagner, on ne peut que tout faire afin que les choses puissent changer. Message particulier au FARDC par rapport à ça, c'est question. Encouragement, je crois que nous, on a eu la chance avec mon frère ici, Louis-Patrick. Patrick Odeke habite Goma, effectivement. Il est de l'Est, il est de là-bas. On a eu cette chance de faire le safari avec Moïse Katumbi. On a vu de nos yeux la souffrance de nos FARDC. On a vu de nos yeux la souffrance de la population. Alors, en ce qui concerne le FARDC, nous pensons que il faut tout faire afin que les choses puissent changer. Et le FARDC, nous ne pouvons que les encourager pour faire en sorte que dans cet encouragement-là, le FARDC puisse aller de l'avant. L'armée seule, le militaire seul ne peuvent pas gagner une guerre. Ils ont besoin de la population qui peuvent leur apporter les informations nécessaires pour leur permettre de pouvoir évoluer. Donc, et le retrouver Sabana Bandal, la première des choses, ils allaient que, comprendre que, et au Salamalelo,
Ezali eloko ya motu ya pona bango. La preuve mingi bazalaki déjà concert malgré mboule betaki banda lobby 7 heures déjà parce que bakomaki. Pourquoi bayokaki sango? Eza pona bango ezelo ka munene, eza parti eyé ko ME luka changement ko ka okota na mboka. Ba adhérer, ba apporter changement, la pulsion na bango, la détermination na bango mboka ko changer. Ba kondi bango moko ba ko changer mboka te. Faut ba sentir que na sima ba proposition pezo ou te pa population. Ya population a yebi eloko ya nyoko maka na katikati ba balabala na ba wenze na ba cité peuple mtazo ka passe mais ceux qui moko peuple azo participer pété na action politique na ba activité pour nous apporter changement ba kobanga été il faut ba la déterminer ensemble yango biso to chez structure po na katia structure yo ba sa la nyon so ikoki po ba ko avancer seigneur lui même pression ay manette na no benga mo mon ensemble déjà la combo nango ezabiso nyon so kwa bomoko li boké na makani si pour na kolongola école ici gezali donc singi bongo na mona kongo nyonso wa zali pena mbotama ya kongo aza makani si te kongo singeli bi mesike zali biso to moni muta wa kobi misango eza président Moïse Katumbi yango moni to yebene bele kokota na parti pour na soutenir ye kakate pour na soutenir kanisine ya bomoko yango moni to biso to zali ensemble ben précieux zali très positive yo mo lobi mbule beti mais bana kinchasa ba ye pour nous relâcher ça honorable Francis Kalomboke toza simanae et mata ekita dans les safoye bagé toza simanae ndeko John Ngombia bagé donc mama Sonia Kamito bagé en tout cas n'est présent Moïse Assa Chebango wana neto yemit donc nzamba ponio soke liboso vraiment pas mboli mais sozongi sima méchant méchant ali wo moni batu bazo comprendre mboka oti tobe tali solo ya état des sièges en 100 comment dans la jeunesse nango mboka oyo quand même 20 ans na Kabila Joseph azalaka soda bat baye bangote Kabila était militaire soda ça ça pendant formation militaire abunda bitumba FDL ti bena tatena mbongo akoy ko sisa bitumba te ko sunga fachi ko sunga nyo sacré ko sunga mutute et ça ko sunga Congo pour ceux qui n'étaient des sièges oyo président Félix Tshisekedi ba moyen pinza que armée pendant soit bien bazo bunda bien Congo de Robika et c'est des sièges ya mutute ezani Congolais n'ont pas une obligation patriotique. Il faut soutenir la vision. Attention à l'opposition. Mais pour la vision, il faut empêcher, arrêter les gens qui sont il faut qu'on t'arrête. Le Congo est en guerre. Tout le monde doit être derrière le commandant suprême, le président Félix Tshisekedi. Et derrière l'armée. L'Ambujimaï, la Kassai, Maoueja Junes, Alongwa. Vous voyez vous comprenez il y a une union sacrée. Il y a une union sacrée. Grand prêtre Fatih Alobi Gendengezawana, Abéana Kenompanzi, Ara Congolais. Il parle à sa députée. Ouais. Sa députée, si il est battu gouverneur, il y a un sacré à ma bête. Le roi d'avoir voté qui est en zone insultée pour ceux qui ont un mandat électif aux zones insultées. Donc avant d'appeler Mazé la 2020. Ara Congolais, c'est la demi-heure de candidat président. Pour l'instant, en tout cas, il y a un union sacrée lobby. Donc, et puis en plus, tout ça va débattre. On dit que tout ça va débattre, on est allé sauter. Il y a un tanganique. Attendez, dans la Tanganyika. Vous avez un bon bakangi vous avez une photo de mon côté, un gilet, 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 ce qui Moïse a dit, c'est que solo. Tu as dit que tu as dit que Kabila Boya a dit que tu as 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 dit que chaque jour. Peter Tani, ce qui Peter Nanyo, ce qui Tani, ce qui Noël Tani. Noël Tani, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que on doit comprendre. Moïse a la charge belle dans mutu mais belle dans mutu azo raisonner mboko doke na ngenge nini. Ozomona. Donc biso na président Moïse toza na tenté. Bacho le ba a corrompre ba journaliste ba finga rafachi. Donc hier mbon on est là corrompre ba tout. Boza sérieux quoi? Hein? Boza sérieux. Émerveillé, content de voir enfin que le peuple congolais a identifié son Moïse. Ça fait 60 ans que cette population a été bernée par la classe politique de la République démocratique du Congo.
Et aujourd'hui, petit à petit, elle est en train d'identifier ce Moïse. C'est comme si on était en train de distribuer l'argent dans cette clôture carrément. Vous voyez une adhésion massive de quinoises et quinoises pour venir saluer le lancement de leur parti à eux. Parce que nous, nous sommes des socialistes, donc c'est un parti de tout le monde qui adhère. Désormais, nous avons les mêmes droits avec les gens qui sont en train d'adhérer ici. Et c'est un message fort. Je crois que le président Moïse, quand il verra ces images, il prendra encore conscience de la mission qu'est en train de lui confier la population congolaise. Vous savez, depuis 60 ans, nous avons entendu des discours dans ce pays. Aujourd'hui, nous souhaitons que ce ne soit pas seulement des discours. Nous pensons que cette situation, si cet état de siège échoue, ça sera la fin de la République démocratique du Congo dans sa forme actuelle. Ce qui se passe chez nous, c'est grave, c'est inacceptable, c'est inadmissible, indescriptible. On n'a pas de mots pour qualifier ce que nous subissons. Et ce n'est pas depuis des ans, non. Ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans que ça dure. Nous pensons que si l'État congolais s'est réveillé pour une fois, nous souhaitons bonne chance au FARDC. Mais nous pensons aussi qu'on doit faire tout pour impliquer la population. Je vis les Américains quitter l'Afghanistan il y a peu et j'ai compris qu'une guerre, ce n'est pas seulement les armes et les munitions. C'est une complicité entre les peuples et ces militaires. Parce que si nous manquons cette occasion, ce pays va disparaître dans sa forme actuelle. Mais vous savez, la sécurité est du domaine exclusif du gouvernement central. S'il y avait des autorités à changer, normalement, ça serait le premier ministre et tout son gouvernement. Ce serait ça ce qu'il fallait faire. Parce que qui doivent la sécurité au peuple congolais? Les gouvernements provinciaux ne sont pas responsables de la sécurité de la population et de leurs biens. Mais ce ne suis pas dans les débats juridiques ou dans les débats de forme. Peut-être le chef de l'État a voulu amener le commandement tout près des militaires. Nous souhaitons juste bonne chance à cette mission et au FARDC et aux gouverneurs qui sont nommés. Et nous pensons qu'ils vont réussir cette mission. Si j'échoue, retenez la date d'aujourd'hui, ça sera la fin de la République démocratique du Congo dans sa forme actuelle. Je suis un légaliste, et ça c'est à titre personnel que je dis cette partie de l'interview. Je suis un légaliste et je pense que Zoé Kabila a droit, comme tout autre Congolais, d'être entendu. Nous n'allons pas construire la République démocratique du Congo sur le plan de... Ces gens-là m'ont foutu en prison. Les Zoé, là, son grand frère, ils m'ont foutu dans des prisons, ils m'ont torturé. Mais j'ai appris, comme Mandela, qu'une nation se construit aussi sous forme de pardon et d'autres valeurs. Notamment, on devait l'écouter comme tout autre citoyen congolais. Il allait présenter ses moyens. Après, le vote aurait lié dans la norme. Mais là, je pense que c'est une injustice à son égard. Et à mon avis, pour faire respecter la Constitution et les droits des Congolais, il doit être d'abord réhabilité, écouté et puis jugé après. À la population du Goma, un message. Comment vivre ces moments d'état de siège? Je préfère le dire en swahili. Tusaidie jeshi yetu. Tusaidie wakubwa ambao wanatuma huko, kwa sababu wakiweza ni sisi ndio tunapona, na wakishindwa itakuwa mwisho wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo muforme yake yenye iko nayo leo. Nous devons soutenir les autorités qui sont là, nous devons soutenir cette armée là, nous devons l'appuyer, même ceux qui peuvent cotiser pour que cette armée réussisse. C'est le moment de le faire, parce que si cet état de siège se termine sans qu'il y ait rétablissement de la paix à l'est du Congo, ça sera la fin de la République démocratique du Congo, j'insiste. Na sepeli makasi komona ke ba Congolais o baza awa lelo ba yeko la kisa ete baza na confiance totale na Moïse na bango. Moïse ya Congo et monani clairement que pona ba Congolais et belé ba Congolais depuis Tongo ba tu bazo ya awa ba milliers de personnes bazo le kawa pona bango eza Moïse Katumbi nde Moïse ya Congo. Eza pe message fort batinde lié po era komona bilili oyo na kanisi ako zwa sous conscience ya responsabilité aux populations congolaises ezo pesa. Parti yango yo eza société na biso. Bandi angolelo. Boze la te lobby air to ko banda kolona ndepo bandio benga benga biso o Patrick o sala biso boyo Francis alanga boyo o mkubwa Salomon salanga boyo parti angoyo. Mutu na mutu aya kotia libanga na epoto tonganda koyo ezala munene po mutu to azo place na kati ya ndako. Mongonga yangoyo boya ebele. Merci beaucoup. Ese ngolanga ezali lelo eza mukolo oyo papa na biso secrétaire fédéral ya ville professeur Kinshasa Francis Kalombo a lancé sortie officielle naïe pour avoir banda badaison ensemble pour la République. Bisous tonne par maman DFC, par maman y a dynamique des femmes pour les changements. Tu as qu'on soutenir hein. Ma papa n'a bisous dans ma chaîne n'a bisous. Laissez mon bisous. Là on monte au bina. Là on monte au bina. Ni ne zali pour mon toi s'adhérer na parti ensemble. Condition exacte. Tu en as besoin pour tout nous au baya. Et zali comme y a ensemble pour la République. Papa Moïse Katumbi a fungoli maboko pour la mutu nyoso. Condition exacte tous les Congolais ont besoin de soutenir la vision du président Moïse Katumbi.
Ma Mission TV, le miroir du monde.